avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efrekia, le cinéma s'invite chez vous. Et c'est seulement sur Efrekia FM. Chers auditeurs de Efrekia FM, bonjour, c'est Ahmed Bedjaoui qui vous retrouve sur les ondes de Efrekia FM pour parler de cinéma africain et en particulier du cinéma de l'Afrique du Sud. Aborder déjà la partie anglophone, lusophone et francophone, donc de façon à ce que nous ayons une présentation la plus complète possible du cinéma de chacun des pays. Donc revenons à ce film. Ni documentaire ni fiction qui a été réalisé au cours d'un atelier et qui aboutit à une vision multiple à travers 5 axes de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. C'était une excellente façon de montrer les réalités sud-africaines à travers l'histoire de l'apartheid, mais aussi du Soweto et des problèmes sociaux, surtout les problèmes sociaux qui émaillent la vie de l'Afrique du Sud. Et puis il y a un autre film dont je voudrais vous parler qui s'appelle Ingrid Jonker, qui est un film de Paula van der Oost. C'est une réalisatrice des Pays-Bas et c'est un film qui est sorti en 2012, une coproduction entre l'Allemagne, l'Afrique du Sud et les Pays-Bas. L'action se situe dans les années 60. Ingrid Jonker est la fille du ministre de la Censure. Son père n'arrive pas à comprendre les états d'âme de sa fille parce que elle essaye de, en pleine année 60, c'est vraiment un moment où l'Occident ne contestait absolument pas l'apartheid ni la ségrégation qui sévissait encore aux États-Unis. Eh bien, elle a des idées de liberté, de tolérance, et là, son père, qui est justement le symbole de la censure, c'est-à-dire vraiment c'est le conservatisme le plus outrancier, décide de la rejeter. Elle est indépendante et elle finit par ne trouver de réconfort et de liberté que dans la poésie. Elle rencontre alors Jacques Cope, un écrivain qui est déjà célèbre. Et là, c'est le coup de foudre. À ses côtés, elle s'engage délibérément contre les régimes de l'apartheid, mais elle est vite rattrapée par son destin et Ingrid sombre progressivement dans la dépression puis la folie. C'est une histoire qui est très touchante, qui est très émouvante et qui est d'ailleurs extraite d'un fait réel. Ensuite, je voudrais vous parler d'un cinéaste que
j'ai bien connu parce que j'avais produit pour le ministère de la Culture à l'époque du deuxième festival culturel panafricain en 2009, l'Afrique vue par, et on avait pris une douzaine de réalisateurs, chacun représentant une région de l'Afrique, et Teddy Erol Matera exactement, avait représenté l'Afrique du Sud, et il avait réalisé un très joli petit documentaire de 10 minutes sur les résistances populaires en Afrique du Sud. Teddy Matera est né à Johannesburg, en Afrique du Sud, bien sûr, et il a fait ses études aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Europe. Il s'est spécialisé dans la sociologie et la production de films aux États-Unis. Ensuite, il a suivi des cours d'écriture de scénario à Amsterdam, et il est titulaire d'un master de cinéma, technique du film, de la London International Film School. C'est de là que sont sortis tous les grands réalisateurs sud-africains d'origine africaine qui ont émergé après l'apartheid et qui ont été formés dans cette grande et prestigieuse école. Il est assistant de réalisateur sur Hoop Dreams, qui est un documentaire fiction nominé aux Oscars en 1993, donc immédiatement après la fin de l'apartheid. Et puis depuis, il a travaillé sur plusieurs documentaires pour la chaîne sud-africaine de télévision, la chaîne nationale, la SABC, South African Broadcasting Corporation. Ensuite, il a travaillé également pour la British Broadcasting Corporation, la BBC, et également la chaîne indépendante Channel 4 de Grande-Bretagne, qui a une politique de production très encourageante et très dynamique, et qui ouvre ses portes énormément au tiers-monde. Il a été assistant de metteur en scène sur plusieurs courts-métrages, des films publicitaires, des clips vidéo. Donc il s'est vraiment formé non seulement dans une grande école de cinéma, il a parfait sa formation avant de se lancer dans l'écriture d'abord du scénario. Il a écrit en 2001 un scénario d'un court-métrage qui s'appelle « Waiting for Valdez », « En attendant Valdez ». Teddy Matera est un passionné de cinéma, bien sûr, et il a réalisé plusieurs documentaires et travaillé sur plusieurs productions d'American Broadcasting Corporation, la ABC, la fameuse ABC. Son premier long métrage, il l'a réalisé plus tard, il s'appelle Max and Mona, et il a remporté plusieurs prix. Depuis, Teddy Matera écrit et réalise des séries, des courts-métrages, des documentaires, essentiellement pour la télévision sud-africaine. On a fait un peu le tour de la question. Je voudrais parler un peu d'économie du cinéma de l'Afrique du Sud. Donc, historiquement, l'industrie sud-africaine du cinéma n'est pas liée à la nécessité d'un développement humain. À travers la prise en compte d'un contexte socioculturel dans lequel elle opérait. Aujourd'hui, la nécessité de créer un développement humain et un développement économique devient urgent, car la situation de l'Afrique du Sud est marqué par des grands clivages sociaux entre les communautés. Il y a une coexistence, il y a une cohabitation et pas une coexistence. Ouais, plutôt, je voulais dire. Alors, évidemment, les gens vivent ensemble, ils vivent un peu séparés, puisque les Blancs ont créé des villes nouvelles, ils se sont réfugiés, ils ont quitté un peu Pretoria et un peu, surtout Johannesburg, qu'ils ont abandonné à la population africaine. Et ils ont créé des ghettos luxueux pour eux-mêmes. Donc, les problèmes de fond ne sont pas résolus. Les deux communautés sont là, l'une en face de l'autre, mais pas ensemble. C'est comme des lignes parallèles qui se rejoignent jamais. Donc, les problèmes sociaux qui sont liés au chômage, à l'éducation, à la sécurité, un énorme problème de sécurité, bien sûr, au logement,
ou à la santé. L'accès à la santé est très difficile pour la population africaine. Il faut dire que le système économique est un système libéral. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'accédez à rien, ni à l'éducation. Tout est payant, l'école est payante, l'université est payante, les soins sont payants. Et donc, il était important que ce développement humain soit pris en compte par le cinéma. Les politiques ambitieuses qui sont mises en place doivent évidemment émerger rapidement afin de tourner définitivement la page de l'apartheid, ce qui n'est pas encore le cas. Les séquelles lointaines de l'apartheid sont encore là et on le voit à travers le cinéma de l'Afrique du Sud. On le voit, les traces sont très, très visibles. Le secteur du cinéma et de l'audiovisuel ne peut pas être étudié ou appréhendé en dehors de ce contexte sociopolitique qui est très complexe, compliqué. Et effectivement, tous les films, surtout les films faits par des Africains d'origine, Sud-Africains d'origine, montrent du doigt les gros problèmes qui existent, par exemple le sida, le problème de l'insécurité, etc., etc. Jusque-là, le souci principal de l'industrie du film en Afrique du Sud a été de développer le nombre de productions, de développer les structures, les infrastructures. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. On s'aperçoit d'ailleurs que le film Afrikaner s'est développé aux dépens du film des Africains d'origine. Il s'est rétabli et actuellement, il connaît une vivacité très importante, mais il n'aborde pas vraiment les problèmes sociaux, il les fuit un peu. Ce sont les Africains d'origine africaine, Sud-Africains d'origine africaine, qui les abordent, mais qui ont du mal à avoir accès à des financements. En réalité, quand vous voyez tous les films que j'ai cités auparavant, c'est toujours, bien sûr, il y a l'Afrique du Sud, les sociétés de production qu'ont fondé nos amis comme Teddy Matera, comme Suleiman Ramadan, etc. Mais ils vont chercher l'essentiel des financements en Europe, avec l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, quelquefois les États-Unis. Et donc, le souci de l'industrie a été d'accroître donc le volume économique, ce qui a conduit à être évidemment partie prenante du régime d'apartheid. Et d'autre part, souvent, le cinéma, les structures du cinéma africain, l'industrie du film, a adopté des modèles de production de type délibérément hollywoodien. Cette caractéristique qui pourrait étonner dans un contexte africain caractérise malheureusement encore le fonctionnement d'une industrie qui s'est construite sur cette double appartenance à un développement lié à une situation nationale et un développement lié à des échanges économiques et à une dépendance vis-à-vis d'un modèle cinématographique typiquement hollywoodien.
Voilà, je vous reparlerai plus en détail de l'industrie cinématographique du modèle sud-africain dans une prochaine émission. Je vous remercie pour votre attention et je remercie Sidi Ahmed Belli de nous avoir accompagnés lors de cette émission et vous donne rendez-vous à très bientôt sur les ondes de Ifriqiya FM.